Hey, bonjour à tous. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous parler tatouage, sujet que j'ai pas encore abordé. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être que j'en ai déjà deux voire trois puisque j'ai fait les deux poignets en même temps en fait. Et donc demain, je prends la route avec ma sœur qui sera là en mode caméraman pour aller me faire faire un autre tatouage. Donc, ça va être un tatouage un petit peu spécial parce que c'est un tatouage qui me tient énormément à cœur, que je réfléchis depuis plus de 2 ans. C'est un tatouage sur le thème du véganisme et de la cause animale de manière générale, avec beaucoup d'images dedans qui me tiennent à cœur, comme la terre, la date à laquelle je suis devenue végétarienne, et toutes les différentes formes de maltraitance. Donc, il va y avoir une orque, il va y avoir un renard pour la fourrure, un cheval également, il va y avoir mon chien, mon chat, mes hamsters, donc, qui représentent vraiment les animaux que j'ai pu sauver. Et puis également donc voilà des poulets, une poule pour les œufs, vaches, enfin voilà. Tout en gris avec un peu d'aquarelle. Donc il va être fait par une tatoueuse qui s'appelle Corline ou Coco de los Muertos qui travaille chez Crybaby Tattoo à Mons. Donc voilà, j'ai pas encore vu le dessin parce qu'en fait elle le finit dans la soirée, elle me l'envoie demain. Donc j'ai un petit peu hâte. J'ai très très hâte en fait de voir les singes, j'ai un peu d'angoisse de ce que ça va donner et j'ai en même temps, je suis très très impatiente donc je vais le faire sur cette omoplate là en face de la spirale que j'avais déjà. Et voilà, donc je vais vous emmener avec moi en fait. Je vais filmer donc la session tatouage pas en entier bien sûr, mais voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe, donc la pose du calque, comment ça se passe. Et puis je vous ferai un retour après sur la cicatrisation, comment j'ai fait donc de manière entièrement vegan, puisque les encres, les produits, tout utilisé est vegan et ne touche pas du tout aux animaux. Et puis voilà, si vous avez des questions comme ça, vous pourrez en profiter. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve demain chez Crybaby Tattoo. Crying tears.
Bonsoir à tous. Alors, ça va faire 3 semaines là que j'ai fait mon tatouage. Ça c'est. Voilà, je vais vous faire un petit peu un retour et une explication de ce que vous avez pu voir. Donc, la séance totale a duré 3h30 avec une pause notamment pour que Corline puisse manger un petit peu. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance dans le shop, ce qui est super important quand même, il faut le dire. Outre l'ambiance, voilà, le tatouage en lui-même, le moment, enfin voilà, ça a vraiment été une très bonne séance. J'ai bien douillé la dernière heure, notamment avec le gris, les choses comme ça, où ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué à gérer en plus. Donc il fallait repasser énormément de fois au même endroit. Donc alors je suis en train de me faire totalement manger par les moustiques, c'est génial. Donc voilà, à part ça, j'en garde un très très bon souvenir. Je suis très très contente de ce tatouage. Enfin, il voulait dire vraiment beaucoup de choses pour moi et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Non, mais je suis vraiment vraiment en train de me faire bouffer par les moustiques. Donc voilà, concernant la cicatrisation, donc moi je fais au maximum à l'air libre. C'est-à-dire que donc les premiers jours en fait, j'ai fait les comment ? J'ai laissé. J'avais une brassière en fait, à la place d'un soutien-gorge. J'ai pas mis soutien-gorge, j'avais des brassières indiennes, donc qui n'ont pas du bretelle ou de frottement. Donc je mettais ceci, donc c'est le Black Roasted Butter. C'est un peu le même principe que le Hustle Butter, qui est vegan et que tout le monde connaît. Donc à base de papaye, huile de coco, mangue, tout ce que vous voulez. Ça sent super bon, mais vraiment, ça sent très très bon. C'est très très fin, on n'en met vraiment pas beaucoup. Et ça marche super bien. Enfin, vraiment, j'ai une très bonne cicatrisation avec ça. Donc, tous les soirs, j'en mettais une assez bonne quantité. Mais attention, ça reste très très fin, mais quand même une bonne petite quantité. Et je plaquais vraiment le t-shirt dessus parce qu'en fait, sinon, si ça bougeait trop, ça le retire. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je plaquais ça dessus et je mettais. Voilà, je dormais comme ça. Le lendemain, je remettais une couche très fine. Et donc, j'en mettais 3 fois par jour. Donc, sans rien, juste les vêtements directement, pas de cellophane ou quoi, pour vraiment laisser respirer au maximum. Et ça s'est fait comme ça et ça s'est très bien passé. Enfin, la cicatrisation, là je suis à 3 semaines, il est tip top, il n'y a aucun souci. J'ai très peu pelé, j'ai très peu, pas de croûte, pas de choses comme ça. Désolée pour toi. Dans l'ensemble, enfin voilà, dans l'ensemble j'ai vraiment tout ce qu'il faut et ça a vraiment bien marché cette méthode de cicatrisation. En ce qui concerne le projet en lui-même, bah finalement, enfin voilà, il me tenait vraiment à cœur et je suis très contente de l'avoir fait. D'avoir fait la route jusqu'en Belgique pour, et je vous le recommande, enfin je peux que vous le recommander parce que, enfin voilà, le dessin était complètement à la hauteur de mes attentes, j'aurais pas pu espérer mieux je crois. Corinne a été super attentive, on a vraiment pu parler, il y a eu un très bon feeling. Voilà, c'était vraiment une super super expérience. Alors après, voilà, j'en ai des retours positifs ou non, des gens parfois un peu surpris d'avoir des vaches ou des choses comme ça, mais non, c'est vraiment quelque chose dont je vais garder un très très bon souvenir. Vous avez pu voir un petit peu toutes les étapes. Je pense que dans l'ensemble, voilà, tout est relativement assez clair au final. Après, si vous avez la moindre question sur le tatouage en lui-même, sur le processus, sur le pourquoi, sur la cicatrisation ou sur quoi que ce soit d'autre, bah, vous n'hésitez pas. Vous pouvez très bien voilà, un petit commentaire sur la vidéo, sur le blog, peu importe, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous invite aussi très très fortement à aller voir bien sûr la page Facebook que je vais vous mettre en lien du shop, donc de Cry Baby Tattoo, et plus précisément donc de Corline, qui est celle qui m'a, voilà, qui m'a tatouée, avec qui a bossé sur ce projet. Et puis voilà, faut pas hésiter. Vous pouvez aussi vous abonner, bah, si ça vous a plu, à ma chaîne, n'hésitez pas. Je parle pas que de tatouage, j'en parle même assez rarement, mais je parle de plein d'autres choses, de soins naturels, de nourriture, de. Donc voilà, merci à tous de cette vidéo d'avoir regardé et je vais m'en aller avant d'être complètement dévorée par les moustiques. Genre vraiment.
Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à très très vite. Ciao.